feeling the pain of mine. Whistle whines everywhere we are. Go figure what's the going. Far from the throne to know where you're going. Learn where you're from. The road is well. Bonjour et bienvenue dans À l'affiche 100% musique. Au programme cette semaine, James BKS. Après des années comme beatmaker pour de prestigieux artistes principalement aux États-Unis et ici en France, l'artiste franco-camerounais, qui est le fils de la légende de l'afro-jazz Manu Dibango, passe de l'ombre à la lumière en sortant son premier album sous son nom, Wolves of Africa. Un premier volet est sorti début juillet, il faut attendre novembre pour le second. Et pour en parler plus en détail, je suis ravie d'accueillir en studio James BKS. Bienvenue à France 24. Merci de me recevoir, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et puis félicitations pour votre album Wolves of Africa. Qu'est-ce qui a inspiré cet album? Vous travaillez dessus depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qui a inspiré cet album? Déjà merci beaucoup. Ça veut faire à peu près 4 ans que je travaille dessus. J'avais vraiment la volonté d'inscrire quelque chose de nouveau musicalement, apporter une nouvelle couleur dans la musique d'aujourd'hui, en fusionnant la musique traditionnelle de chez moi, du Cameroun. Ça peut aller du Bikuti, du Soul Makossa, au Ben Sikin, avec les musiques d'aujourd'hui, hip-hop, pop, et vraiment une volonté de faire rencontrer ces genres musicaux et une vraie fusion culturelle. Et pendant très longtemps, vous avez travaillé comme producteur de musique, vous étiez ce qu'on appelle un beatmaker, vous composiez des morceaux pour des artistes aux États-Unis, par exemple Puff Daddy, Snoop Dogg. Ici en France, vous avez travaillé avec Booba notamment. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de l'ombre et à sortir cet album sous votre nom? C'était vraiment une envie de... Moi, j'ai grandi avec des producteurs incroyables. Je peux citer Timbaland, je peux citer Swizz Beatz, Pharrell Williams aussi, qui sont des producteurs qui ont su s'imposer dans la musique, mais tout en ayant vraiment une patte musicale qui soit propre à eux. Et c'était une volonté de ma part aussi, de pouvoir avoir cette patte musicale qui me définit, qui vraiment me définit mon ADN. Et cette volonté de mixer, de fusionner ces musiques qui me constituent, quoi. On entend vraiment votre patte sur tous les morceaux de votre album. Alors, vous parlez, votre nom c'est James BKS. BKS, c'est Best Kept Secret en anglais, donc peut-être le meilleur des secrets bien gardés en français. Est-ce que maintenant, du coup, il n'y a plus de secrets, vous êtes complètement ouvert? Oui, je peux dire qu'il n'y a plus de secrets. Les gens me découvrent comme je suis et pleinement fier de représenter ce que je représente à travers ma musique. Donc dévoilé dans cet album, on va écouter justement un extrait d'un morceau qui s'appelle Quillé. Écoutez. Anymore, can you take it anymore? I know I'm free now. I know I'm free now. Anymore, just like an animal. Oh, I know I'm free now. I know I'm free now. Ça, c'est un extrait de Quillé du nouvel album de James BKS, Wolves of Africa. Donc, dans cet album, il y a de nombreux featuring, Will.i.am des Black Eyed Peas. Et dans ce morceau qu'on vient d'écouter là, il y a un featuring de la légende camerounaise Manu Dibango. Alors, quand vous étiez un jeune adulte, vous avez découvert qu'en fait, il était votre père biologique et vous l'avez croisé dans un hôtel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette rencontre? Oui, c'est vrai. Eh bien, quand ma mère a vu que je prenais la musique au sérieux, j'étais encore à la fac aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'elle m'a révélé mon histoire au complète, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que j'ai fait d'abord un rejet et il m'a fallu plusieurs années pour accepter en fait le fait que mon père biologique soit un grand monsieur de la musique. Et on s'est croisés de manière la plus anodine possible dans un restaurant-hôtel parisien. Et depuis ce jour-là, on s'est plus quittés. Et vous avez pu du coup collaborer avec lui sur cet album. Il est malheureusement décédé en 2020. Est-ce qu'il continue à influencer votre processus créatif aujourd'hui? Bien sûr, il a eu une influence incroyable sur ma deuxième partie de carrière, mais même personnelle. J'ai eu la chance d'aller en tournée avec lui, de le voir en concert, de rencontrer ses musiciens, de connaître l'homme derrière son saxophone. Et
il m'a permis en fait d'avoir d'autres perspectives aussi de mes racines, de la culture camerounaise. J'ai eu la chance depuis de rentrer au Cameroun et de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont permis aussi d'avoir justement voilà, cette richesse qui se retranscrit dans ma musique. Et votre album Wolves of Africa est vraiment le résultat d'une longue quête, que ce soit artistique, personnelle, familiale. Alors, vous êtes né en France, vous êtes allé aux États-Unis quand vous étiez jeune adulte, 19 ans. Vous avez commencé votre carrière musicale là-bas. Vous êtes revenu en France et du coup, ça sent ces influences très mélangées, que ce soit la variété française, le hip-hop aux États-Unis, de la musique panafricaine. Est-ce que dans les morceaux que vous écrivez, vous racontez justement cette histoire très mélangée ? Oui, j'ai essayé d'être vraiment fidèle à qui je suis. Je voulais vraiment que cet album me définisse, que je puisse laisser quelque chose derrière moi, qui m'en ressemble, qui raconte mon histoire. Et je pouvais bien entendu pas que compter sur les collaborations qui m'entourent. Il fallait qu'à un moment donné, je puisse également prendre le micro, chanter, défendre ma propre musique. Et c'est ce que j'ai fait à travers cet album-là. Et notamment sur le deuxième volet, où vous chantez plus, vous prêtez plus votre voix au morceau. Exactement, c'est moi qui m'exprime de plus en plus, qui prend conscience que je suis artiste aussi. Et voilà, c'est toujours des très belles collaborations, des gens qui vont m'entourer encore, mais à travers notamment le titre Jungle que j'ai fait avec Will.i.am, je suis devant maintenant, je prends le micro et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc le deuxième volet qui va sortir en novembre. En novembre également. On va passer à d'autres actus musicales maintenant et ce sera sans doute l'un des événements culturels et musicaux de l'été. La superstar américaine Beyoncé sort Renaissance, son 7e album studio en solo. Selon elle, cet album lui a permis de rêver et de s'échapper pendant le Covid, qu'elle qualifie de période terrible pour le monde. « J'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique », dit-elle. Et de la joie, il y en a dans le titre « Break My Soul », qui a déjà des airs de tube de l'été. Écoutez. Break My Soul de Beyoncé, James BKS. Vous aussi, vous avez un tube de l'été à nous suggérer? Oui, j'aime beaucoup le titre Pérou de Fireboy et Ed Sheeran. Je trouve que c'est une belle rencontre musicale. Et c'est un titre qui est dans ma tête que j'écoute assez souvent. Là, on peut entendre un petit morceau, un petit extrait aussi. Je sens que c'est assez addictif, ça va rester à l'oreille. On continue avec l'actu musicale estivale et un coup double pour l'artiste américain prolifique Jack White. Jamais en mal de projet, l'ancien leader des White Stripes sort Entering Heaven Alive. C'est son 5e album solo et il le sort juste 3 mois après son 4e album, le déjanté Fear of the Dawn, qui était sorti en avril. Voici le titre If I Die Tomorrow. Écoutez. If I die tomorrow, could you find it in your heart to sing me if my mother cries in sorrow? Will you help her with the many things that she needs from time to time and day to day? So if I die tomorrow, will you know exactly what to say today? Donc Jack White qui sort un nouvel album. Alors James, vous êtes arrivé à la musique un peu tardivement. Avant, vous voulez devenir joueur de basket professionnel. Est-ce que cet esprit compétitif reste avec vous dans votre carrière musicale? Oui, mais je dirais surtout cet esprit d'équipe. Oui. Alors c'est vrai que c'est moi qui défends mon album, mais j'ai une équipe formidable autour de moi qui m'entoure, qui m'épaule au quotidien. Et voilà, on retrouve, je pense, cet esprit d'équipe à travers les chansons que je propage et toutes les belles choses qui sont en train de se faire autour de moi. C'est une très belle façon de voir les choses. On va enfin vous dire un mot sur Muse, qui est de retour. 4 ans après leur dernier album, le groupe britannique dévoilera à la fin de l'été un 9e album studio intitulé Will of the People. Allant du métal à la pop, l'album est, selon les rockers britanniques, leur meilleur. Le chanteur Matt Bellamy dit avoir été influencé par l'incertitude et l'instabilité croissante dans le monde. Autant dire que l'ambiance
est un peu catastrophique. On va vous laisser avec le titre Will of the People. Mais avant de vous laisser, je voudrais remercier mon invité aujourd'hui, James BKS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France 24. Merci de m'avoir reçu. Et puis du coup, je vous invite à écouter son nouvel album Wolves of Africa. Donc le volet 1 est sorti en juillet, le volet 2 sort en novembre. Si vous êtes à Paris le 23 novembre, vous serez à l'Élysée Montmartre. Super salle, belle date en perspective. Dans un instant, l'actualité sur France 24, mais tout de suite le titre Will of the People de Muse. France 24, l'art sous toutes ses formes. Liberté, égalité, actualité.